Bonsoir! Cette fois-ci, Carlito est dans la voiture directement. Bah oui, on se permet des nouvelles choses dans cet épisode. Bienvenue dans ce 7e épisode du meilleur jeu en voiture. C'est vraiment le meilleur jeu en voiture. Absolument. Ah, putain, c'est quoi? Ah, j'étais coincé dans la boîte à gants arrière. Qu'est-ce que tu fous là, Nathalie? Sainte merde! Je cherchais mes chiens, ah bah ils sont là. J'étais coincé, je toquais comme ça, et ça s'est débloqué d'un coup sur le dos d'âne. J'ai l'impression que c'était préparé depuis un bon bout de temps. Mais non. Cela dit, j'ai vraiment eu peur. Il y a vraiment eu de la peur en moi. Bonsoir! Je tiens à dire que déjà, je m'excuse, parce qu'à chaque fois que je suis avec vous, j'ai l'impression d'avoir pris des substances illicites. C'est vrai, mais c'est le stress des jeux que vous proposez, c'est horrible. Là, ce Bob, ça va te détendre. Mais je suis déjà puni en fait. Putain! C'est abusé. T'as déjà un couvre-chef. Peut-être de te mettre un peu devant et de mettre la ceinture, Nathalie. Ah, j'adore me mettre en avant. Mais du coup, la ceinture, c'est compliqué. D'accord, il y a trop de connotations dans toutes tes phrases. Nathalie, comment vas-tu? Bah, ça va parce que j'ai mis des bretelles de sécurité. Donc, je me sens parfaitement protégée. C'est le stress qui fait que t'as 8 ans et demi? Ok. Nathalie est avec nous car nous étions en tournage ce matin. Oui. Mais à proprement parler, c'est avec Audrey Pirot que le jeu en voiture va se passer tout à l'heure. Qu'on t'accompagne pour aller chercher tes nouvelles caisses et on chopera Audrey Pirot là-bas. D'accord. Et comme t'étais un petit peu stressé de faire ce jeu, on se dit que comme ça, il n'y a pas de pression. Non, parce que le niveau est assez haut en fait. De l'eau. Ah ouais, c'est vrai. Merci Caporal, bon, t'as bien raison, ma grande. C'est vrai qu'il faut s'hydrater la glotte. Oui, mais c'est pour moi beaucoup parce que je suis migraineux, je vous rappelle. Et non pas. Rappelez-vous. Bravo. Ah, mais non, c'est pas contagieux la migraine. Oh. Elle régresse. Chaque minute, elle perd un an. Ah d'accord, ok. Je récupère le bonnet. Natou, je te lance. Non, mais c'est moi qui commence. Oui, c'est la tradition. C'est abusé. N'oublie pas, on ne juge pas. La femme ne va plus être amoureuse du père de son enfant. Parce qu'ils ne baissent plus ensemble depuis des années. Ça fait 15 ans qu'ils sont ensemble. Et évidemment, au bout d'un moment, perte de libido. Mais voilà. Bah alors, pourquoi tu nous fais un caca nerveux? Sérieux, je me stresse. J'arrête de crier, ça. Non, mais je peux pas, je pourrais pas te reprocher de crier. Ah non, vraiment pas, non. Le 29 août. Ou peut-être pas, non, je me suis gouré, c'était peut-être le 16 juillet. Ou non, oublié. En fait, c'était rouge, c'était la couleur rouge. Je me suis trompé, voilà. Tu vois se passer dans sa tête, inconsciente d'ailleurs. D'ailleurs, parce que dans sa tête, il y a essentiellement des plats gras, comme une raclette, comme une tartiflette, tout ce qui finit en être. D'autres comme plats qui finit en être. Girouette. Girouette n'est pas un plat. Envie d'écouter MFM Radio sur votre... Non. Ah. Sur votre chaussure. Mais c'était à moi. Putain, j'en ai marre, t'es dissipé. Tu t'es fait rigoler. Il a un peu boudé. Il a le téléphone, regarde comment il a le téléphone. Tu peux pas téléphone au volant, non, c'est n'importe quoi, les gars. Attends, je vais l'engueuler. Engueule-le. Monsieur, chope-le. Voilà, vas-y, vas-y. Chope-le. Téléphone. Le téléphone. Ah, il sourit. Le téléphone, monsieur. Il me fait comme ça. Voilà, on arrête ça, monsieur, ça n'est pas bien. La sécurité routière, c'est pour moi. Il n'y a plus qu'à les coller sur vos colis et à... Et à les déposer aussi sur votre front, comme ça vous n'oublierez pas de déposer vos colis, surtout à Tata Micheline qui attend ses raquettes de ping-pong depuis des mois. Voilà. Les gens vont encore croire que je suis droguée. Oui, c'est vrai, ça c'est certain. Pas valable jusqu'à épuisement des stocks. Ou jusqu'à épuisement de vos poumons, puisque vous fumez beaucoup trop, madame. On vous l'a dit, l'hypnose, ça n'a pas marché. Je sais plus. C'est incroyable. Non, mais en fait, elle a une énergie qu'on n'a plus, nous. J'ai de l'énergie à l'enfant. On les enchaîne, c'est tout naturel. Salut tout. Franck. Salut Sylviane. Comment ça va? Tu viens pousser à la salle? Mais moi aussi. Je viens travailler mon triceps ainsi que mes quadriceps. Nature is incredible, motherfuckers. Oh mec, j'ai pas. J'ai pas. Pour le moment, ils sont 6 en tête. Ils sont 6 en tête de la course en claquettes. Une course très peu connue et pourtant passionnante. Attention aux chutes, attention aux pertes de claquettes. Et vive les champions. Bienvenue sur la radio Santiago. La radio qui ne parle que de Santiago. Avec aujourd'hui Rigobert, bonjour. Bonjour à tous. De quoi allez-vous nous parler? Santiago essentiellement. Merci, que pensez-vous de mes Santiago? Elles sont superbes, elles sont excellentes. Et que pensez-vous de mes Santiago? Elles sont super. Elles sont magnifiques. Ouvrez l'émission spéciale Santiago sur radio Santiago. J'en mets le jingle. C'est ça. J'adorais, c'est ça. Oh 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 oh. C'est la fête.
Oh non, qu'est-ce que c'est ? Mesdames et messieurs, Audrey Pirot ! Oui ! Bien bonjour ! Bien bonjour ! Ils ont la même énergie. Hein. Le soleil, pareil. Oh, oui. On va où ? Mettez les pares soleil, hein, parce qu'elle est solaire. Qui conduit le mieux entre vous deux ? Tout le monde peut conduire. Vous passez devant. On est bien à l'arrière de ce véhicule. On va pouvoir décider où on va. Bonsoir, Internet ! J'ai commencé la conduite accompagnée il y a quelques mois. Mais t'as pas ton permis ? Non. Je crois que tu l'as vu. C'est faux, je l'ai. Oh. Oui, parce que là, on ne donne pas le bel exemple. Non. Tu veux non, pardon, ça te fait mal à chaque fois. Vous l'avez frappé. Oh, ça fait mal. En plus, on peut rien faire parce qu'on est coincé comme des cons. On dirait comme les parents. Mais arrête, allez, Corentin, maintenant, ça suffit. On va où? À droite. À droite. Oh, putain. Non, d'un petit bonhomme. Est-ce que je mettrais pas la radio? Ouais. Si on tombe sur Calogero, j'arrête la bagnole. Moi, je vous le dis. Hein. C'est vraiment des vieilles provinciales. Très jovial, tu mais sais. Mais ton calme. Merci, chérie. J'ai vraiment l'impression d'être conduit c'est par les deux. Corentin, tu arrêtes. J'ai mis à siffler. Ça n'a aucun sens. Attendez, oui. On donne une adresse. Alors, c'est pas là. C'est à droite, c'est à droite. Mais là. C'est pas là. C'est pas là. Bon, alors, vas-y. Mais c'est des tours. Tu sais. Non, vous vous trompez. Retour d'une faciale. Oh non. Tout de suite. C'est ce qui me vient. C'est ce qui m'est venu. Bonjour madame, vous êtes au courant pour leur million d'abonnés? On a un million d'abonnés un sur million YouTube. D'abonnés. Non. En même temps, vous, ouais, bon, vous avez raison. Belle journée quand même pour merci vous. Merci hein. De participer. Elle a pris du crack. Fallait lui dire. On va choper ta nouvelle caisse avec toi et on tourne dans la nouvelle caisse. Pourquoi pas? Mais je rentre gauche, là. Non, on n'entend pas du tout. Alors là, attention, hein. Un attention. Créneau comme ça, vous n'en avez jamais vu. Non. Ok, vas-y. Hey, ferme ta gueule. Allez, qu'est-ce on sort que les... tu fais carjacking? Je me fais carjacking. Prenez tout. On a 1 euro, monsieur. On a 1 euro. Tenez. On va chercher ta nouvelle voiture qui est une Nissan Micra. C'est vrai? Oui. Il y a aucun placement dans cette vidéo. Mais non, bon. Mais c'est que voilà, ça fait 8 ans que j'ai la même caisse. Je me suis dit, allez. Tu peux rentrer quelque chose de sexy. Les chiens, vous pissez pas. Je désire celle-là. Pourquoi pas celle-ci? Et vous êtes qui, votre vendeur? C'est un vendeur. On vient avec vous, monsieur. On est en famille. Juste un petit jour, on ira faire la fiesta. Voilà, la nouvelle voiture. Elle est là. Regarde comme ils sont contents. Là, c'est quelque chose, hein. Regardez comme elle est émue. Non, mais attends, c'est un truc aussi d'avoir nous. Ah oh la vache. Quoi non, rien, j'ai inventé. J'ai inventé. Ah, oh, me faites pas ça. Ah, attendez, c'est le premier jour où j'ai ma caisse et direct une vidéo dans ma oui caisse. Avec un jeu avec 4 personnes. Oui, ok. C'est pas très compliqué, ramener 2 éléphants, c'est extrêmement difficile. Il faut les sécher. En fait, les sécher, ils deviennent tout petits, les mettre dans des petits sachets. Et ensuite, on les amène dans le zoo, on les remet dans l'eau et hop, ils regonflent d'un coup. Un couple auquel ça t'intéresse énormément. Jacques, qu'on connaît tous, Jacques, c'est quand même le monsieur qui tenait la cantine. Et quand on n'avait pas la carte de la demi-pension, rappelez-vous ce qu'il disait. Je te coupe les genoux, petit fils de pute. C'était hyper sympa. Moi, je voulais juste dire que ma voiture est quand même superbe. Ouais, non, j'ai c'est une vrai. Superbe tu kiffes, voiture. Ou pas bah, ouais. Klaxonnade directement. Premier klaxon sur moi. Est-ce que tu kiffes? Alors, si je peux me permettre, c'était pas vraiment pour toi. Je ouais, pense c'était que c'était pour cette ouais. BMW de merde. Calme, maman, calme. Juste après, au Brésil et à Cuba, le dernier album de Jacques Gamblin, qui a sorti un album de rap bizarrement. On l'attendait pas sur ce. Si ça s'intitule Ton père l'a tchouin. John Nobel Committee has. Moi, excusez-moi, est-ce que vous êtes nazi? Oui. Ah d'accord, ok. Mais j'essaye de me soigner. Tu viens de passer un feu rouge, yes. Oui. En un mot, boulevard. C'est tout. Qui m'accuse de l'entourage? L'entourage, le groupe de rap, d'avoir des voilà, d'avoir peut-être entravé l'enquête et de ne pas avoir permis d'aller jusqu'au bout. Mais n'empêche que leurs sons sont super cool, c'est ça que je voulais dire à l'antenne en tout cas. La justice doit se prononcer à 18h. Sur le cas de l'affaire McFly et Carlito, ont-ils eu 1 million d'abonnés, oui ou non? Tout va beaucoup trop vite. Évidemment. Ce duo, c'est incompréhensible. Ils sont en train de rafler tous les abonnés. C'est pas normal. Ils sont devenus juifs. Le
le son est quand même superbe dans cette nouvelle voiture. C'est vrai. Ont été condamnés à des peines de prison, 11... 11 ans pour avoir chanté du Jean-Michel Jarre en public devant un jardin d'enfants. Et la chanson elle-même suffirait apparemment à avoir des gestes déplacés. Ouais. Quand même. Oui, et il y avait 400 prisonniers. Oui. Et je les ai sucés un par un à la fin du récital, car c'est ça aussi, plaisir d'offrir, joie de recevoir. Vous avez fait un selfie avec chacun? Un selfie? N'avez pas le choix. N'hésitez pas à souscrire à un abonnement. C'est la fin de la vidéo. On se retrouve dimanche prochain. Merci, rendez-vous. Merci les filles, vous êtes exceptionnelles. Vous êtes incroyables. Abonnez-vous à leur chaîne, surtout aimez-les. On a dit on. Nathalie Orpiazenko. A vite. Rendez-vous quand j'aurai dévoré mes appétits.